Aujourd'hui, nous abordons encore un thème qui est d'actualité, qui convient à la période que nous vivons. Hier, c'était Christ Rédempteur. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Christ, mon Rédempteur ». Alors, on va lire ce verset pour commencer. Jean 15, 13 dit ceci, « Il n'y a pas de plus grand d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Jésus a fait tout ça? Quel amour peut pousser un homme à se donner sans péché, sans accusation, sans qu'il n'ait rien fait concrètement? C'est quoi cette force-là, cette puissance qui l'a poussé, qui l'a amené à se livrer, à se donner, à se laisser aller, à se laisser humilier pour l'humanité? Oh là là, Christ, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci pour ce grand amour-là que tu as éprouvé envers nous afin de pouvoir accepter, venir sur ce monde-là, te laisser, te donner sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Je me demande des fois si nous sommes conscients de ce que Jésus est venu faire pour nous. Lorsque nous sommes face à une situation qui demande que nous fassions quelque chose pour nous satisfaire, quelque chose que nous voulons et que apparemment la Bible nous refuse, il faudrait que nous ayons le courage de voir Christ sur la croix, de voir Christ déjà de la condamnation, de la manière dont on a traîné devant ces juges, devant ces tribunaux entre griffes jusqu'à Golgotha. Il faudrait que nous voyions comment on a crié sur lui, comment on a fouetté. Il faudrait que nous fermions les yeux, que nous voyions comment son corps a été déchiqueté pour nous. Pensons au moment où il priait à Golgotha. Il voulait même que ses disciples l'aident à veiller parce que l'heure approchait et il se sentait triste. Regardez la tristesse qu'il a éprouvée à cause de nous. Devant des situations où il faut choisir, nous devons pouvoir nous dire oui, c'est à cause de moi que Jésus a sué, c'est à cause de moi que ses vaisseaux se sont éclatés et qu'il a commencé à suer du sang. C'est à cause de moi qu'il a été maltraité, c'est à cause de moi qu'il a porté cette croix-là. Par trois fois, il est tombé. Quel amour il aurait pu laisser tomber. Lorsque vous êtes devant des situations où votre chef prend le dessus, devant une situation où vous vous dites, mais oui, tu as refusé de mentir, mais là, il faut que je le fasse pour moi. Oui, je suis stressée parce que franchement, mon corps me demande de me satisfaire alors que je ne suis pas mariée. J'ai la possibilité de forniquer rapidement. Devant ces situations-là, nous devons regarder Christ sur la croix. Nous devons regarder la souffrance de Jésus. Est-ce que nous avons balayé du revers de la main ce travail qu'il a eu à faire pour nous? Je ne pense pas. Si nous aimons vraiment Christ,
nous devons vraiment choisir, nous devons revoir tout ça lorsque nous sommes dans des conditions données afin de pouvoir rester ferme. Moi, c'est une manière, franchement, personnellement, ça me sauve beaucoup. Dans ces genres de situations où il faut choisir entre quelque chose qui me tiraille, entre quelque chose qui ne veut pas me laisser vivre pleinement ma foi, qui ne veut pas me laisser suivre ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que je fais? Je pense simplement à ce que Jésus a fait pour moi. Christ, mon rédempteur, Christ m'a racheté. Personne ne pouvait le faire. J'étais morte spirituellement. Toi également, tu étais mort spirituellement. J'errais dans le péché, dans ce monde dur et froid. Lorsqu'on ne connaît pas Christ, notre maître, c'est Satan. J'allais me retrouver de son côté, de la géhenne pour toujours. Mais à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait, aujourd'hui, je suis réconciliée avec Dieu. Rien, plus rien ne m'accuse. Par son œuvre, il m'a permis d'avoir la victoire. Par son œuvre, Esaïe peut dire que parce qu'il a accepté qu'on déchiquette son corps, il nous dit, ce prophète, que au travers de ses blessures, nous sommes guéris. Quel amour! Qui suis-je pour qu'il puisse m'aimer tant? Tu dois savoir que Jésus t'aime. Jésus t'aime, c'est pour cela qu'il a accepté faire tout cela. Il a voulu que tu aies la victoire sur certains esprits qui sont dans ce monde-là pour déranger, pour faire perdre les enfants de Dieu. Et ça, on peut le voir dans le passage de Colossiens, Colossiens 2, 15. C'est ainsi que Dieu a enlevé leur puissance aux autorités et pouvoir spirituel. Il les a donnés publiquement en spectacle en les menant comme des prisonniers dans le cortège de victoire de son fils. Ça, c'était le français facile. Vous voyez tout ce que Christ a fait pour nous à cause de sa mort à la croix. Moi, aujourd'hui, je peux me lever parce que je suis en alliance avec Dieu, parce que j'ai reçu le Seigneur, parce que je me suis réconciliée au travers de l'œuvre de la croix avec Dieu. Je peux m'arrêter et dire au nom de Jésus, toi, telle situation, tu te tais. Toi, tel démon derrière cette situation, allez, relâche à la croix. Jésus t'a dépouillé. Jésus t'a livré publiquement. Je peux ouvrir ma bouche avec foi et proclamer cela et ce que je dis arrivera. Tu dois prendre conscience des choses que Jésus a eu à faire pour toi, pour des batailles qu'il a livrées pour toi, pour des victoires qu'il a déjà obtenues pour toi. Tout est déjà fait. À la croix, il a dit, tout est accompli. J'aimerais simplement que en ce jour, tu puisses reconnaître ce travail grandiose que Jésus a eu à abattre pour toi. C'est pour toi qu'il l'a fait. Devant les situations de péché, nous devons penser à ce que Christ a vécu pour nous. Nous devons penser à sa souffrance. Nous devons penser à quoi au moment où il criait, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné tellement ?» Il a fait mal, il a dû crier. Qu'il a dû crier, c'est à cause de moi qu'il a fait autant mal. Alors, pourquoi choisir les œuvres du monde que la parole de Dieu nous refuse d'accomplir? Avant, nous appartenions à un maître et nous le servions. Nous ne devons plus travailler pour l'autre maître. Si tu vis dans l'adultère, sache que c'est pour l'autre maître Christ a racheté. Et toi, tu continues à travailler pour l'ancien maître. C'est normal ça. Tu rachètes un esclave. Donc, il n'appartient plus à son ancien maître. Et à ton insu, cet esclave-là quitte ta maison et va travailler pour l'ancien maître. Est-ce que tu seras content? Tu ne le seras pas. Est-ce que tu seras fier de cet esclave? Tu ne le seras pas. Est-ce que tu pourras lui accorder toutes tes faveurs? Non. Et c'est justement cela qui est inquiétant. Si nous voulons profiter de toutes les bonnes grâces, de tous les bienfaits de l'œuvre de la croix, nous devons rester fidèles et savoir encore une fois que c'est pour nous que Christ a souffert l'ignominie, a souffert la honte, a souffert tout ce que nous connaissons là, afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Allez, aujourd'hui, je prie pour que toutes les personnes qui ne connaissent pas la juste valeur
de l'œuvre de la croix et qui bafoue ce que Jésus est venu faire dans ce monde. Je prie pour que le Saint-Esprit fasse en sorte qu'ils prennent conscience de la grande valeur de cette œuvre que Jésus a accomplie. Esprit Saint de Dieu, convainc-le. Et vous aussi, lorsque l'Esprit Saint sera en train de parler à votre cœur, laissez-le vous convaincre. Laissez-le vous montrer des choses. Parce que lorsqu'on n'est pas enseignable, quel que soit ce qu'on va faire, vous ne pourrez rien retenir. Si vous n'ouvrez pas votre cœur pour écouter, pour entendre, ça n'ira pas. On a beau traîner un cheval au bord d'un cours d'eau, on ne le forcera pas à boire de l'eau. C'est vous-même qui allez ouvrir votre bouche pour avaler de l'eau, l'eau que le Saint-Esprit va vouloir vous donner. Allez, merci Saint-Esprit d'aider les frères et sœurs qui sont encore ignorants. Merci de faire en sorte qu'ils voient la profondeur, la grandeur d'amour que Christ porte à leur personne. Allez, on s'arrête ici aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la méditation de ce jour. À demain, Dieu aidant, pour un autre numéro. Allez, shalom!